Bonjour à toutes, aujourd'hui dans ce troisième Panic Nail Art, je vous montre un tuto où vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et qui est accessible à toutes les débutantes. Donc pour ce nail art, vous avez besoin de deux vernis assortis, un plutôt laqué, comme ici le bleu marine, et un peu pailleté, irisé. On va d'abord commencer par faire un dégradé à la lunule. Donc j'applique mon vernis pailleté sur le vernis de base qui est sec. Donc je l'applique en haut en petit boudin. J'essuie mon pinceau, puis je vais étirer le vernis tant qu'il n'est pas sec. Je rajoute une deuxième couche, donc je refais le boudin, j'essuie le pinceau et je tire le vernis. Ainsi vous avez un dégradé très très facile et rapide à faire. Pendant ce temps, je vais découper du papier aluminium, donc j'ai pris un petit carré et je vais faire plein de fines bandes, comme ça en longueur, donc ne les faites pas trop larges, sinon ça fait trop des gros morceaux. Et ensuite, je les coupe un peu n'importe comment, donc dans le sens de la largeur, de façon à faire des petits morceaux en forme de carré, de losange, de triangle. Plus vous coupez rapproché, plus ça vous fera des petits morceaux. Donc voilà tous mes morceaux que j'ai découpés. J'applique un top coat de préférence qui ne sèche pas très vite pour avoir le temps de les coller. Et ensuite avec un cure-dent ou un petit bâtonnet, je vais donc coller ces petits morceaux de préférence sur la face brillante pour avoir plus de reflets. Donc voilà, j'empile tous mes morceaux. Ensuite, quand j'ai terminé, je les écrase bien avec le doigt pour que ça soit à plat et pour ne pas que ça soit gênant. Puis, je vais appliquer une bonne couche de top coat épais pour bien les protéger et que ça vous dure longtemps. Donc personnellement, sur moi, je fais la vaisselle sans les gants et ça a duré 3-4 jours, donc c'est plutôt pas mal. Et le papier alu ne s'abîme pas avec le top coat. Voilà, c'est très rapide à faire et vraiment facile et ça donne un super effet au soleil. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous en attendant vendredi prochain sur mon Facebook ou sur Instagram. À bientôt !